Latitude 91. Latitude 91. Alors, bonsoir Walid, comment tu vas ? Bonsoir, ça va super, c'est vraiment un plaisir d'être là avec vous. Ouais. Alors, toi, tu vas parler au nom de tes autres associés. D'accord. Puisque tu es venu tout seul aujourd'hui. Donc, t'as deux associés. Il y a Bilal et Hicham. C'est ça. Ouais, c'est ça. Alors, moi, je vous connais. Même avant cette interview, parce que je vous ai vu à la conférence sur le leadership à Évry, qui s'est passée il y a environ un mois. Et, donc, on en parlera un peu après dans l'interview, si ça dérange pas. Alors, d'abord, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est comment vous êtes venu l'idée du tu veux, tu viens. Enfin, parce que votre idée, elle est vraiment cool. Parce que ça implique énormément de gens. C'est vraiment une idée qu'on ne voit pas souvent pour une entreprise. Donc d'abord, comment cette idée vous est venue? Ouais. Donc par rapport à cette question, donc de base, c'est le cofondateur Bilal Hashmich. Donc c'est vraiment lui qui a eu l'idée par rapport à ça. Et en fait, c'est par rapport à son expérience qu'il a eue par le passé. Donc pour la petite histoire, ses parents lui demandaient souvent de descendre un peu les meubles dans la cave. Et donc année après année, il voyait les différents meubles qui étaient stockés, qui bougeaient pas, qui étaient toujours là. Et finalement, comme s'ils étaient bloqués dans cette cave, or que finalement ils auraient pu avoir une seconde vie ou être donnés ou autre chose. Donc, maintenant, il y a les ROM maintenant. Les ROM. Ah ouais. Alors, je sais aussi que t'es formé. Alors, parce que puisque tu es allé à l'UIT d'Evry, t'as une licence marketing et communication sur Internet. T'as aussi un diplôme de comptabilité. T'es MacGyver. T'es quand même bien formé. Donc, tu t'es pas lancé en entrepreneuriat sans aucun diplôme finalement, puisque t'avais déjà sans doute une idée derrière. Donc, en fait, vous êtes un trio. Donc, comment ça s'est formé tout ça? Ouais. C'est par rapport à vos études, comment vous avez fait pour mettre en place vos projets? Ouais, déjà, Hicham et Bilal, c'est des frères, hein, les deux frères Hashmich. Donc moi, je les ai rejoints en cours. Je dirais, c'était il y a 2 ans. Donc ils avaient déjà créé leur société, qui est une agence web, BH Internet. Ils sont spécialisés dans la création de sites et le référencement sur Internet. Et j'ai été apprenti dans cette agence. Donc j'avais le rôle de commercial. Et c'est à ce moment-là finalement qu'on a décidé de vraiment être associé sur les différents projets qu'on est amené à créer, et ça s'est fait vraiment naturellement. Donc Hicham, c'est mon beau-frère, donc ça facilite aussi. Ça permet. C'est une histoire de famille en fait. Voilà, c'est une histoire de famille. Donc finalement, ouais, ça facilite la confiance et honnêtement, ça s'est fait naturellement. Alors l'objectif de votre entreprise, c'est de réduire le gaspillage des objets courants. Hein. Voilà, exactement. Donc, t'appelles quoi les objets courants? C'est tout ce qui est meubles, vêtements. Ça, il y a vraiment des échanges sur tous les objets possibles. Et donc l'idée, voilà, comme tu l'as très bien dit, donc finalement, au lieu de conserver un objet dans une cave, de le laisser traîner dans une bannette ou quoi, parce qu'il est cassé ou même s'il est fonctionnel, c'est de faire profiter donc à une personne qui serait dans le besoin. Donc finalement, c'est une rencontre entre ceux qui souhaitent déposer des objets, qui souhaiteraient se débarrasser de ces objets-là, et les personnes qui sont dans le besoin. Donc finalement, c'est comme un genre de bon coin où je fais des recherches et à proximité, je peux trouver des objets. Mais c'est un service gratuit. Donc voilà. Du coup, comment vous faites pour en avoir profit finalement? Parce que je sais qu'on peut déposer une annonce pour un dépôt d'objets, puis ensuite une personne peut la récupérer. Et c'est la personne qui a déposé l'annonce qui récupère, c'est bien ça? Ouais, enfin, c'est ça. Qui choisit qui va récupérer l'objet? C'est ça, exactement. Donc comment vous, derrière, vous arrivez à faire du profit avec ça? Pour le moment, il n'y a pas vraiment de modèle qui nous permet de faire de la rémunération ou quoi. La plateforme, elle est carrément gratuite et elle le sera toujours pour les utilisateurs. Et c'est vraiment un concept qui tient à cœur au sein de l'équipe. Pour le moment, on essaye de voir où ça peut aller, combien d'utilisateurs on peut avoir. On a franchi la semaine dernière la barre des 60 000 utilisateurs. Et le modèle économique, c'est quelque chose qu'on essaye de réfléchir,
petit à petit pour essayer de, dans le temps, pourquoi pas, de proposer quelque chose. Mais pour le moment, il y a rien. Et ce qui nous fait vivre, c'est les différents projets parallèles qu'on a. Donc vous avez deux différentes entreprises, il me semble. C'est ça. Donc une autre start-up, Manasoft. On est éditeur de logiciels pour les experts comptables. Et c'est une idée assez innovante et voilà, ça nous permet de générer du chiffre d'affaires et de se rémunérer. Voilà. Et donc en fait, en parallèle de vos autres projets, vous arrivez aussi à concrétiser. Donc votre projet Tu veux, tu viens. C'est ça. Parce que vous avez déjà aussi un confort financier qui vous permet d'avoir des opportunités par rapport à ça. Un confort, j'irai pas jusque là, mais on arrive à bien vivre grâce à ça. Et du coup voilà, l'idée c'est de dégager le temps où on travaille pas sur nos projets qui nous rapportent de l'argent sur Tu veux, tu viens. Et en plus vous me dites que vous devez travailler beaucoup. Un de vos associés avait dit lors de la conférence que j'ai relevé, moi je travaille 90 heures par semaine. Ouais, c'est ça. Donc on fait environ 90 heures par semaine. Moi des fois j'en fais un peu plus. D'ailleurs Bilal, il a été un peu j'irais à la baisse, et en fait ouais, on travaille 7 jours sur 7. Le dimanche souvent c'est en télétravail, mais c'est vrai que ça nous demande une énergie je dirais incroyable, mais c'est ça qui est excitant en même temps. Mais on peut comprendre que de votre point de vue, ça a l'air excitant, comme vous le dites, mais 90 heures par semaine, on voit aux actualités que la loi du travail avec les heures supplémentaires, vous travaillez 90 heures par semaine, c'est comment vous faites, surtout pour les jeunes qui veulent entreprendre, est-ce que ça va les tenter de faire 90 heures par semaine? Comment vous pouvez donner l'envie à ces jeunes-là? Ouais, la question elle est intéressante, mais en fait par rapport à ça, nous on le voit pas vraiment comme du travail. C'est-à-dire qu'il y a des personnes quand ils ont un 35 heures, ils font de 9h à 17h, dès qu'ils sortent du travail, ils ont je sais pas des choses à faire, etc. Bah nous les choses à faire c'est le travail, et on prend un malin plaisir, je dirais, à exécuter les tâches qu'on doit réaliser, et c'est vraiment ça fait partie de notre vie. Et après c'est sûr que c'est un sacrifice par rapport à des choses qu'on pourrait faire dans la vie de tous les jours, bah on n'a pas forcément le temps, mais derrière ça nous permet, je dirais, d'atteindre une certaine croissance plus rapidement. En fait, vous voyez pas le temps passer, en fait. C'est ça l'histoire des 90 heures. Exactement. Ouais. J'ai l'impression, moi, personnellement, d'être au travail tout le temps. Après, par rapport à ce que tu disais juste avant, c'est pas forcément l'entreprise, c'est pas forcément faire 90 heures par semaine, mais c'est sûr que il faut à partir du moment où on est entrepreneur, il faut s'investir beaucoup plus que si on est salarié. Après il y a un juste milieu. Il y en a, ils sont de très bons entrepreneurs et ils arrivent à je dirais figer des heures par semaine sans aller dans l'extrême. D'accord. Et vous trouvez comment vos idées par rapport à tout ça? Vu que vous êtes trois, comment vous faites pour vous mettre d'accord en fait finalement sur vos projets? Par rapport aux idées, donc il y a la première question, comment on les trouve? On s'oblige un peu toutes les semaines à essayer d'échanger sur des idées, des projets qui pourraient être, je dirais, pertinents. Après, on essaye d'échanger entre nous et si c'est quelque chose qui peut être intéressant, on va d'abord le tester. Très simplement avec une page, je dirais, internet. On va la lancer sur Facebook par exemple et on va essayer de voir qu'est-ce que ça donne, et en fonction de ça, en fonction du résultat, on décide d'aller plus loin ou non, et du coup voilà. Mais moi j'ai une autre question encore. Vos financements, quand vous avez débuté, vous avez trouvé où vos financeurs? Avec la CCI, avec comment vous êtes pris pour financer vos premières entreprises finalement? On n'a pas eu de financement concernant la première société qui est née, donc l'agence web. Donc les deux frères, ils ont fait un apport par rapport aux économies qu'ils avaient. Et ensuite, c'est un sacrifice, donc on se rémunère pas de salaire pendant X temps. Après, l'idée c'est de trouver rapidement les premiers clients et de faire en sorte de générer quelque chose. Et une fois que la société, je dirais, elle a un certain rythme de croisière et elle rapporte de l'argent, on va injecter cet argent-là dans les autres projets. Donc c'est de l'autofinancement. Quand tu dis client, c'est quoi la cible? Quand tu dis client, c'est qui? Par rapport à quoi? À ton business. Tu veux, tu viens. Ouais. Alors, tu veux, tu viens. Donc, c'est plutôt des utilisateurs. C'est plutôt des utilisateurs. Bah, donc, pour le moment, on se rend compte que finalement, la cible, c'est les femmes.
faut pas se le cacher. La plupart des femmes font des vide-greniers. Elles vont essayer de trouver à droite à gauche les objets un peu encombrants et qui ne servent à rien. Et c'est ces personnes-là qui vont faire le tri pour essayer de placer ça dans les différentes dans la plateforme en quelque sorte. Après, on y trouve aussi des hommes, mais honnêtement, c'est les femmes. Il y a beaucoup de femmes. Ouais, il y a beaucoup de femmes. Femmes au foyer et on va dire que 80% des personnes qui déposent des objets pour le moment, c'est des femmes. Et c'est quoi les objets les plus courants que vous trouvez ? Bah, il y a vraiment de tout. Hein. Il peut y avoir. Enfin, il y a un jour, on a eu un bateau de 3 mètres qui a été donné. Un bateau. Ouais. Un bateau de 3 je mètres. M'inscris à ton truc, moi, il y a eu. Il y a eu une voiture qui a été donnée. Ah ouais. Mais pour les objets les plus, je dirais, courants, ça va être des habits. On retrouve souvent les habits parce que finalement, les habits, on est en plein dedans. C'est la surconsommation. On y est carrément. C'est-à-dire que je vais acheter donc des habits un mois après, j'en achète d'autres. Oui. Je regarde les anciens, j'ai plus envie de les mettre et puis je les stocke. Avec et le temps, la météo, tout ça. Voilà, exactement. Donc on retrouve les habits et je dirais les meubles. D'accord. Et au niveau des recrutements, j'ai pu voir aussi que vous avez des ambassadeurs et des ambassadrices. Ouais. Qui sont-ils et comment on devient ambassadeur ou ambassadrice ? Alors ouais, voilà. Donc par rapport aux ambassadeurs, donc finalement c'est des personnes qui sont un peu porte-parole de tu veux tu viens dans le département clé. L'idée c'est de donner une bonne image de la plateforme, d'essayer de créer une communauté donc au sein du département grâce à des leviers comme Facebook et on les aide aussi à en arriver là et du coup ces personnes là elles nous contactent directement via le Facebook ou alors le site. Donc vous êtes sur plusieurs départements? C'est ça. Aujourd'hui, on a plusieurs départements. Je pourrais pas vous dire le nombre, ce serait mentir. Mais par exemple, on a un département comme le Lin. Le compte Facebook, si vous allez sur Tu veux, tu viens 01, il y a plus de 20 000 utilisateurs. Et ça tourne pas mal. Il y a pas mal d'objets qui sont échangés. Et donc les prochains aussi recrutements que vous allez entreprendre, ça va être les développeurs et les graphistes. C'est ça. Ouais, l'idée c'est de pouvoir créer une communauté avec des personnes qui nous aideraient à mieux développer la plateforme et le concept, que ce soit d'un point de vue fonctionnel au niveau de la solution en ligne ou que ce soit d'un point de vue communication avec les ambassadeurs, etc. Vous êtes unique sur le concept ou vous avez des concurrents? Non, il y a des projets qui existent dans le même domaine. Je dirais que ils ont leur propre positionnement nous on essaye vraiment de se démarquer par rapport à ça, surtout sur le fait que ce soit les personnes qui souhaitent avoir l'objet d'aller le chercher directement chez l'annonceur. Ah donc c'est du porte-à-porte, ça se fait directement entre particuliers. C'est ça, voilà. Donc finalement, moi j'ai vu un objet qui m'intéresse, je me connecte sur la plateforme, il y a un système de messagerie qui me permet de parler avec l'annonceur et donc de lui demander l'objet est disponible. Ensuite, l'annonceur, lui, il a des statistiques qui lui permettent de savoir donc cette personne-là si elle a déjà fait des objets, elle a déjà fait des demandes, c'est quelqu'un finalement qui donne ou quoi, et ça nous permet de choisir à qui on doit le donner. Moi, j'ai une question encore qui me vient à l'idée à l'instant, c'est par rapport, on va dire, au gaspillage. Ouais. On voit que les supermarchés, toute infrastructure de la sorte gaspille énormément de nourriture. Est-ce que vous n'avez pas pensé de faire un partenariat, on va dire, avec des supermarchés pour récupérer leurs aliments qui ne sont pas consommés, mais qui ne sont pas non plus périmés, pour justement les proposer sur le site pour que d'autres personnes qui sont dans le besoin récupèrent alors ce... Voilà, tu viens de donner une fonctionnalité future. Ah, et ouais. En fait, on voudrait... Donc, on a un scoop alors. Et donc, l'idée, ouais, c'est d'en arriver à la nourriture. Et exactement ce que tu viens de dire, donc au lieu d'attendre que le produit soit finalement périmé, donner la possibilité avant la date de péremption à une personne de consommer ce produit. Et finalement, ça se passerait sur la plateforme. Après, concernant les partenariats, etc., on est justement en train d'élargir ce domaine-là. Parce que j'imagine que vous n'êtes pas qu'avec les particuliers, vous avez déjà des liens avec des entreprises. Oui, on travaille en ce moment avec plusieurs entreprises pour essayer de trouver la bonne approche, pour essayer de mettre ça en place sur la plateforme. Et je dirais que ça ne saurait tarder. Et vous recrutez
de d'autres des salariés. Parce que c'est Régina cherche du boulot. Ouais. C'est la Régina qui est là qui tient le boulot. L'idée de l'entreprise, de toute façon, c'est de bien s'entourer et de trouver à chaque fois des personnes qui seraient susceptibles d'amener le concept dans une nouvelle ère. Ah bon. Donc pour le moment, clairement, on n'a pas les moyens financiers pour payer des salaires. Mais c'est concrètement par rapport aux personnes qui pourraient rejoindre l'équipe, on est ouvert à toute demande. Vous savez, 20 euros par semaine, moi ça me suffit. Pas cher. C'est bon. Bah écoute, j'évoquerai cette proposition avec les cofondateurs. Et j'ai deux dernières questions. Alors, j'imagine que à 3, vous avez forcément un réseau professionnel. Et donc c'est très important pour un entrepreneur d'avoir un bon réseau, de bien s'entourer, comme vous l'avez dit à l'instant. Ouais. Si vous avez une chose à dire aux personnes qui veulent entreprendre par rapport au réseau, qu'est-ce que vous direz ? Finalement, le réseau, c'est quelque chose qui se travaille vraiment petit à petit et avec le temps. Déjà, il faut vraiment pas rester fermé dans sa structure. Il faut vraiment, comme tu dis, essayer de sortir un peu de cet environnement qui est l'entreprise et essayer d'aller à la rencontre d'autres personnes. Après, il y a plein de possibilités pour en arriver là. On a les afterwork, on a les regroupements d'entreprises, les réseaux, etc. Les conférences. Exactement. Et l'idée, c'est d'aller à l'encontre des confrères entrepreneurs pour essayer de tisser des liens, de tisser des partenaires. Et on ne sait jamais où ça peut nous amener. Voilà. Pour nos auditeurs, comment on peut vous contacter? Comment on peut vous retrouver sur le web? On peut me contacter via Facebook. C'est Walid, donc W-A-L-I-D, Yajou, Y-A-2-J-O-U. Voilà. La page Facebook aussi, tu viens. C'est ça, la page Facebook, tu veux, tu viens. Donc, en tapant tu veux, tu viens sur Facebook, on trouvera facilement la page. Et du coup, on peut aussi nous contacter par mail sur l'adresse contact@tuveuxtuviens.com. Et Twitter, vous avez Twitter? Twitter, mais on est plus, oui, Twitter on l'a, mais on est plus en mode communication sur Facebook. Merci. Merci. On remercie notre entrepreneur de c'est un plaisir de cette interview là, et en espérant que vos projets vont aboutir et que on vous reverra aussi sans doute une prochaine fois pour un nouveau projet. Écoutez, avec plaisir, franchement, c'est super de participer à ce genre de rencontre.